L'Estrade est un club de réflexion qui fait se rencontrer des étudiants, des professeurs, des ingénieurs, des acteurs de terrain, hommes politiques, industriels ou commerciaux. Alors, la particularité de notre club par rapport aux autres think tanks, c'est que nous préférons aux monographies des experts universitaires la passion vivifiante des historiens du dimanche, pour reprendre l'expression heureuse de Philippe Ariès. Ainsi, nous avons des professeurs de finance qui peuvent faire partager leur passion de la poésie, ou des agents commerciaux qui peuvent faire valoir leurs observations de la voûte céleste. Nous organisons régulièrement des conférences, nous publions mensuellement un journal de l'Estrade, et vous pouvez nous retrouver sur notre site www.l-estrade.fr. Christine de Verrac m'a confié la coordination de son projet municipal qu'elle élabore avec tous les Toulousains pour que ceux-ci se réapproprient leur quartier et fassent dans leur ensemble rayonner la ville. J'ai relu avec beaucoup de plaisir Peaubouille de Zola, où Zola fait une satire féroce mais en même temps drôlatique de la bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie. Et s'il y a une scène que je vous conseille tous de lire, c'est celle de la scène de ménage entre Monsieur et Madame Josserand, où Madame Josserand écrase de son mépris son mari en lui criant à la fin, au point d'orgue de leur querelle, « Je m'en fiche plus que vous, Monsieur Josserand !» Enfin, je vous convie à venir très nombreux au banquet des Amis de l'Estrade le 26 mars. À cette occasion, nous ferons un bilan de la première année d'existence de notre association et nous vous réservons aussi une petite surprise. Donc, à très vite !